Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis grave content. J'ai ma nouvelle moto vélo, je sais pas comment tu peux l'appeler. Moi, pour moi, c'est une moto, je vais vous montrer pourquoi. Regardez juste la selle. C'est la première fois de ma vie que j'ai un vélo. Dis-moi comment c'est confortable. Regarde, et je le fais pas exprès. Ici, on a des ressorts. C'est veut dire, tu peux aller dans les montagnes, tu peux aller partout. Dis-moi les pneus, comment ils sont balèzes. Donc, j'ai pris ça pour que quelqu'un puisse venir s'asseoir avec moi. Parce que tu connais, quand tu fais des balades en vélo, faut toujours quelqu'un avec toi. Mais attends, une Espro, t'as pris une trottinette derrière, faut qu'on en parle. Bah, de ça. Je voulais qu'on fasse une course. Une course? Oui, une course. Oh, parce que celui-là, il monte au moins à 50-60, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais par contre, la trottinette, elle a un problème, elle s'allume pas, faut que tu regardes. Comment ça, elle s'allume pas, mon gars? Regarde, essaye de voir le régler le problème. Le problème? En mode, t'as vu, quand t'appuies sur le bouton menu, ça s'allume pas, genre. Genre là, ça s'allume pas? Ouais. Mais qu'est-ce que vous avez fait encore? Je sais pas. Mais pourquoi elle s'allume pas? Bah, je sais pas, elle s'allume pas. Comment ça, elle s'allume pas? On fait comment la course? Hey, Younes? Quoi? Derrière toi, regarde derrière toi, frère! Oh là là. Mais rattrape-le! Oh là là, il s'est fait voler son vélo! Appelle la Hendek! Appelle la Hendek, il veut pas s'arrêter! Appelle la police! Appelle la Hendek, il veut pas s'arrêter! Donc toi, attends. J'ai des requins, je peux pas courir! Donc toi, tu viens de recevoir un vélo, on vient le tester, tu l'as même pas allumé une fois que tu te l'as volé. J'appelle les pompiers. Et en plus, regarde, il est en train de faire du vélo derrière toi, il te nargue. Bon, les gars, faut que je vous montre un petit truc. Là, on va aller au parc, il y a Omar. On va faire un prank, mais aux abonnés. Ça veut dire, moi, je serai au parc avec Yacine, on va faire une petite stratégie, et toi, tu viendras par derrière, tu fais comme si tu me pétais le vélo. Et comme ça, ils vont croire qu'on s'est fait péter le vélo. Comme ça, on vous prank. Smahli, hein. Excuse-moi de te dire ça, Omar. Mais Younes, il allait te rattraper, hein. J'allais te rattraper, mais j'ai ralenti. S'il voulait te rattraper, hein, désolé. Hein. Toute notre enfance, on s'est pranké entre nous. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont cru. Donc, du coup, on vous a bien pranké. J'ai ramené Omar pour faire le test. Marie-Com, Omar, ça va? Ça va. Les gars, franchement, je vous mettrai le lien en description si vous voulez en avoir plus de détails. Mais le plus intéressant, Omar, c'est ça. Je peux te demander un kiff, s'il te plaît. Est-ce que je peux te demander un kiff? Quoi? Laisse-moi allumer le moteur. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler de mon kiff. Laisse-moi allumer le moteur et de faire un tour avec Omar derrière moi, s'il te plaît. Attends, après. Si tu veux, mais d'abord, Pierre, feuille, ciseaux qui va allumer le moteur. Pierre, feuille, ciseaux. Oui. Oh là 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 là. En 3. Non, c'est en 1, c'est en 1. Alors on met la clé. Omar, ici. Tu vas aller derrière moi, on va faire un tour, t'inquiète. J'ai mis la clé. Alors faut que je mette on. Donc la clé, il la met ici. J'ai tourné comme une moto. Ok. Maintenant, la clé, ça sert à quoi? On allume. Voilà. Oh! Attends, regarde! Attends, regarde! Omar, il va péter un câble. Montre-lui les feux de position et tout. Ah ouais, les feux, alors les feux. Yeah. Ici, on a les feux de croissement, les feux de position. Appuie une fois sur M. Ça va s'activer. T'as vu, les feux s'activent. Non, on voit pas trop bien parce que c'est la journée. Mais en tout cas, ils sont incroyables. Rappuie sur M une fois pour l'enlever. Ok. Donc, le truc le plus ouf, c'est les freins. C'est les pneus. Regardez les pneus. Là, c'est pour mettre tes courses. Et là, c'est pour mettre un humain. Tu vois? Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le tester sans rien. Omar, il y a 3 vitesses. Tu mets la vitesse 3? Je mets la vitesse 2. Ok, la vitesse 2. Pourquoi la vitesse 2, elle se met pas? Ah, c'est bon. Attends, je pousse ça là. Vas-y, tu peux tester. Allez, c'est parti Omar, bismillah. Et il y a bismillah. Oh, l'accélérateur. Ouais, ce qui est bien, c'est que quand tu fais des vidéos cagnottes, tu peux te faire des vrais cadeaux, moi je veux pas de portable, je m'en fous. Et là ce qui est bien, c'est qu'on peut accélérer en mode électrique et pédaler. C'est-à-dire là je laisse tester, t'as capté, après c'est moi qui va tester. Regardez, il est parti grave long. Regardez l'accélération. Il a dû regarder l'accélération. Tu peux zoomer, tu veux faire des zooms. Je suis fait. Il est arrivé. Fast and Furious, il a dit. Encore il s'est mis à la vitesse 2. Il va arriver devant nous. Viens, on fait mon kiff, s'il te plaît. Eh, moi, tu sais, c'est quoi qui me choque le plus? C'est trop bien. C'est quoi qui me choque le plus? C'est tes mains, les roues. Attends, viens, on peut aller à deux. Ouais, s'il te plaît. T'inquiète. Ils vont se mettre à deux dessus. C'est là, je crois. Ah, mais vitesse 3. Oh là là, vitesse 3. Oh là 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 là. Attends. C'est Yacine qui conduit. C'est moi qui conduis. Fais attention, Yacine. T'inquiète. Tu vois, dès que t'es bien installé, c'est bon. T'inquiète, c'est bon. Oh, ça roule bien, je suis choqué. Deux gros ports. Il y a 200 kg sur le vélo, les gars. C'est des malades. Bon, là, il y a 200 kg, les gars. Je vous promets, on dirait sans scoot. C'est des malades. Oh là là, ce bâtard. Oh là, il s'est
sais pas conduire. J'ai juré, je sais pas conduire. Je m'occupe plus avec lui. Il a les larmes aux yeux tellement ça va vite. T'as allumé les lumières, imbécile. Jure. Ouais. Tellement ça va vite, j'ai les larmes aux yeux. Oh, j'ai une idée. Attends, on va faire un test. Moi, je suis chaud. J'ai une idée. Attends, j'ai une idée. Tu veux monter derrière? Non, écoutez. On fait nous trois. Non. On fait nous trois un tour, celui qui le fait le plus rapide. Ça, vas-y. Fais-moi un tour. Si le vélo il supporte moi je suis plus musclé de la famille. Le tchao là, non mais là c'est la chemin. Pistec, vas-y. Mais non, pas comme ça. On est pas des minettes. Vas-y. Accélère. Oh, c'est bon. Ah, ça va monter. Omar, je vais tomber. Et toi, tu sais vraiment pas conduire. T'as vu, je t'ai dit quoi? Non, je continue. Manger un trottoir, c'est halleux. Vas-y. Wahda. Me colle pas. Mazouj, clata. Oh. C'était quoi les sensations alors quand t'es dessus? C'est incroyable quand t'es dedans, voilà, ça accélère le vent dans tes cheveux, c'est excellent. il arrive en balle. Eh, le truc, ça... 33,79. J'ai gagné. Non, voilà, j'étais 33,54. Ouais. Vous avez fait le même temps. On a fait le même temps. Eh, hey, il m'arrive une dinguerie. T'as vu là-bas, j'ai accéléré et j'ai arrêté d'accélérer pour tourner. Ouais. Et bah, ça a mis l'accélérateur tout seul. Ah bien. J'ai eu grave peur. Bah oui. C'est pour ça que je marchais dans l'air. Un pilote automatique. C'est pour ça que je marchais dans l'air. Attends. Tu penses qu'il va nous battre? Jamais. Toi t'avais 33,75. Ah, il va vite, hein. Toi t'avais 33,75. Ouais. Et je t'ai battu, hein. Pépé Younes, c'est un pépé. Oh. Il a combien? 31,56. Il nous a arraché. Il nous a arraché. Il y a ceux qui jouent à Fortnite et ceux qui font du vélo. En fait, la couleur, je sais pas si on peut s'acheter des bombes et le peindre. Ouais, tu peux, hein. Genre, on met une vraie couleur. Vous nous dites dans les commentaires, on fait quelle couleur? En vraie couleur, tu mets couleur rouge et noir. Oh là 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 là. Genre ou rouge? Hein? Rouge et noir. Genre rouge avec des traits noirs. Violet noir. Et comme ça, on se le fait voler direct. Non, en vrai. Ouais, faut que j'achète un cadenas par contre. Un cadenas de moto, les gars. Mais en tout cas, il est incroyable. C'est un très grand banger. Si vous voulez le péter, je vous mets le lien en description. Bien sûr, le prix. Devine le prix. Moi, j'aurais dit 1486. Oh, presque! J'ai envie de voir un truc improbable. Rajoute un peu. J'ai envie de voir Younes derrière Omar, s'il vous plaît. Monte. J'ai envie de voir un truc improbable. Ah, qui, yes. Un truc qu'on n'aurait jamais cru voir dans notre vie. Ah, mais lui, par contre, je suis obligé de faire ça. Vas-y, go. Oh là 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 là. Attends, Omar, c'est bon. Reviens. Omar, il a fait une découverte. C'est quoi la découverte? Tu peux brancher ton téléphone en USB. Oh, wow. Ouais, tu peux mettre ton téléphone pour mettre du Coran. Waouh! C'est vrai. Pour mettre du Coran. C'est pas mal. Du Coran. Et vous en pensez quoi de ces poignées? Oui, les poignées, on en a pas parlé. Qui s'adaptent au doigté. Elles sont vraiment incroyables. Les vitesses aussi, ça va jusqu'à la vitesse 7, j'avais même pas vu. Franchement, je kiffe. Même la selle, tu sais qu'il y a des suspensions dans la selle. Regarde la selle, vas-y, fais appuyer avec tes grosses fesses. Regardez la selle. Vous avez vu, il y a des suspensions. Sinon, Marie, je vais prêter le vélo. Là, je te demande de me donner une note pour mon achat de la cagnotte. En vrai, 9 sur 10. 9 sur 10, pourquoi pas 10? Pourquoi pas 10? Parce que 10, si ça aurait été 10, ça aurait été un truc pour moi et c'est pas pour moi. Ah ouais, mais t'inquiète, je te le prêterai. Par contre, les gars, c'est vraiment vrai que ma trottinette, elle s'allume plus. Alors, je vous explique. Je l'ai chargée. Avec mon père, on a démonté là, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais regardez, quand j'appuie, elle s'allume plus. Mon père, il m'a dit, elle est morte, elle est pas réparable. Donc, s'il y en a qui ont la solution, je sais pas. Omar, tu veux la trottinette, tu veux non. La prendre? Ça y est, les gars, on vient de rentrer. Mais Yacine, mais qu'est-ce que tu fais? Eh, Fortnite, c'est fini normalement. Je fais les keufs, moi je suis un joueur compétitif. Avant tout, t'as pas honte de jouer encore à ce jeu? Non, j'ai pas honte. Et toi, t'as pas honte de jouer à Call of Duty qui date des. Je joue pas à Call of, je joue à Harry Potter. Ou alors, vous préférez nous qui jouons à ça? Wesh, c'est incroyable. Je vous jure, c'est trop bien. Ce jeu, il est sorti il y a je sais pas combien de temps. Oh, les sensations, c'est excellent. Et genre, nous, on est sur un PC, on met un câble et on joue avec la manette de play. Voilà, mais finalement, on va vous laisser là. N'hésitez pas à mettre un gros like si ça vous a plu ce que j'ai pris. Et abonnez-vous, je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent se le procurer. Allez, ciao.